Bonjour, je suis Eric Buiss dans Sky Factory 3 Minecraft. Alors, là, je vais arrêter d'essayer de mesurer puis de tourner en rond. On va en faire du power, c'est tout. Ok, je vise comme objectif de me faire 4 de tout ça. Il faut faire des calculs. Ça va me prendre 8 fois ce quartz-là, première chose. On peut commencer par le début puis en faire. Ok, lui, il va me faire l'autre, là. Ok, oui. Je pourrais le faire dans le smelter, mais j'ai l'alloy smelter, mais ça va prendre. Hein! Ça va prendre 32 nether quartz puis 32 glowstone pour arriver à faire 8 fois chose de même, ok? Est-ce que j'ai ça? Je pense que oui, là. Nether quartz, j'en ai pas mal. Je peux même prendre une demi-pile. Je prends ça. Je la coupe en deux. Puis je remets la moitié là. La glowstone maintenant. Est-ce que j'en ai un petit peu? Je les ai une pile. Je vais consacrer une demi-pile à ce petit job-là. Même principe. On va aller mettre ça. Il va falloir mettre du fioul là en bas, par contre, parce que ça finira jamais. Sinon, ça veut dire que ça me prendrait. C'est dans les systèmes ici, j'avais mis. Je vais prendre les ressources naturelles. Je dois avoir du coal coke là-dedans. J'en ai besoin. Là, j'ai vu que le charbon de bois prenait une 40 RF par tix. Dans cette fournaise. Je vais voir si le coal coke en ferait, il ferait pas mieux. J'ai découvert comment le savoir. C'est très facile. Ça commence à faire ça. Il faut faire quelque chose pour ça. Quand la fournaise est allumée, generate 32 RF par tick, c'est 40. Ok, non. Ah, c'est 40 ça aussi. Okay. Mais quand même, ça m'en a généré assez pour faire quelque chose. Allez là-dedans. Ça va ouvrir, ça va permettre de faire fonctionner ma alloy smelter un petit peu, c'est sûr. Ah, c'est elle, oui. Ça y prend combien? 20 aussi, ça se fait que ça. Il faut qu'elle soit en mode alloy. On va venir mettre le quartz. On va venir mettre la glowstone. Puis là, elle, comme par magie, elle fait quelque chose. Oui, il y a de la fumée, tout le kit, c'est bon, ça fonctionne. Bon. Ça, c'est la première chose qu'il fallait que je fasse. Je vais chercher la Advanced Photovoltaïque 4 fois. 8 choses de même. Je vais me prendre 8 vibrants. Non, 2 vibrants. Les vibrants, j'espère que je peux les faire sans être obligé d'avoir des affaires fucked up. Oh, c'est des énergétiques. Juste Ender Pearl, oui, oui, oui. Puis énergétique, ça c'est. C'est un peu plus compliqué, c'est Redstone, Or, puis Glowstone, oui, oui, oui. Ça va en prendre plusieurs. Là. Donc pour les vibrants, ça va prendre 2 pulsating, ça prend aussi 8 pulsating. Ok, ça c'est faire Ender Pearl, je vais aller chercher ce qu'il faut en ce moment pour le faire. Et ça dit les loot bags, hein. Mais pas. Oh. Mais j'ai un épique. Un épique, j'aimerais ça en ouvrir un. Je demande de programmer ma machine ici pour qu'elle ouvre les épiques. Voilà, je vais ouvrir les épiques maintenant. Redstone, mode. Ah oui, exactement. Les pics, elle va les ouvrir. Il y a tout ça là-dedans. Plein de stock. Ah, j'ai eu des poissons. Cool. Elle n'a pas fini. J'ai juste trois des quartz comme ça. Ah, ouais. Quatre quartz, quatre glowstone. C'est ça, putain? J'en voulais 8, ça serait pas de m'en avoir donné. Ça serait pas de m'en avoir donné. Ah, ça va. Je vais faire les energetic alloy. On va prendre de la redstone, de l'or, puis de la. Et ça, je ferai rien. En principe, mes pulsating devraient être prêts. J'en avais besoin de 8 de tout ça. Ils sont là. Ah!
Ouais, je pourrais tout laisser ça là, j'ai pas besoin d'avoir ça sur moi. Je peux-tu faire une pause de même? Ah oui, il vient de donner à cool, ok. C'est bon, ça va cuire. Là, c'était ici, je vais prendre un moment de faire un drum. Un avion ordinaire, ça c'est. Drum of the Wild, ça je vais prendre tout. Ah, ça marche pas. Drum. Atelix peut-être, les drums Extra Utilities, il y a différentes versions. On ne peut pas faire le Démonic Harley Gargantuesque, je ne suis pas rendu là. Un simple Iron Drum va faire la job. Ça prend un Cold Drum, ok, voilà, un drum. Ah, il appelle le Iron Drum, ok. Ça prend deux gugus de même. Une, ah non. Là, je peux aller chercher mon Iron Drum. Donc, à quelque chose. Ah, il s'en prenait une en or aussi. Ça rechange et j'en ai. On va pouvoir faire des choses, qu'il faut. Mais oui. Iron Drum, là j'y accède, voilà, clac. L'autre fois, je m'étais fait des items de route. Ça va servir. C'est dans ce coffre du haut. Non, c'est le junk. Ça, c'est lui. Ah, c'est Constantin. J'avais en trop ça. Electrum. Ah, ils sont ici. Non, ils sont ici, mais. Item. Ah. Stone. Item. Là, je les ai pas. Ah, ils sont là. Pressurize fluid conduit. Je vais m'en servir. Ici, là, ça marche pas, là. Il faut que je récupère la créosote. Ça dedans. Je vais planter ça ici. Donc, puis, ça va être en mode insert. Ah, et non, ça va être assez. Et non, ça va être assez. Faut essayer d'extraire après ceux qui n'y exposent. Ouais, vas-y. Ah, il l'a visé. On voit pas la quantité de gugus qu'il y a dedans, par contre. Ouais, c'est ça. Non, c'est plate. Jump, ok. Oh, ouais. 12 000 sur 256, c'est bon, il y a 12 boquettes là-dedans. Là, je vais continuer à refaire de la Cold Coke. Parfait. Bon, elle a fini. J'ai mis 24 alliages. Il y a 8 là-dedans qu'il faut qu'ils deviennent vibrants. On va s'occuper de ça. Et ça l'a fait, ça a commencé à travailler. Le reste, je peux presque le récupérer et commencer à travailler sur les capaciteurs dans ce temps-là. Ouais. Là, il faut que je me fasse pas mal de capaciteurs simples. Parce que là, pour avoir ma photovoltaïque, ça prend deux capaciteurs doubles. J'aurai besoin de 8 capaciteurs doubles, ça veut dire que j'aurai 5. J'aurai 16 capaciteurs simples. Tabarouette, c'est quelque chose, ça. 16 machins comme ça. Ouais, monsieur. Ah, on va commencer par faire ça, hein. Ça prend 16 morceaux de cuivre, 32 restants. Ok, on a travaillé ça. Alors, je vais pouvoir rassembler ça. Il me manquait juste les daylight sensors. Ça m'en prend 4. J'ai mis 4. Tout le reste des autres morceaux, je l'ai assemblé. Je l'ai. J'ai 4 cellules photovoltaïques avancées. Chacune pourrait produire 40 RF par TX. Ça commence à être pas pire, ça. Ouais. On va installer ça. Je serais tenté d'aller mettre ça sur le toit. Ouais, hein. Et ça coûte cher, ça. Au niveau de ce que je suis dans le jeu, là, c'était assez coûteux à faire, ça. Mais ça vaut la peine. L'escabeau.
Vérité, on va essayer encore ça. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, des fois c'est juste trop haut où y aller. Là. Ça marche pas. Ah! C'est pour ça que je suis pour ça même pas ça d'utiliser ça, ça marche pas. Mais peut-être que si je prends. Flaxig, comme ça, j'ai-tu une pièce, mais des flaxig? Regardez. Non, on parle bien ça dans ce qu'il faut. Bon, fait avec quoi je vais grave, il me reste encore des slabs. Il me reste encore de la vitre aussi, je pense. Ouais, c'est ça. Là, j'ai m'installé encore avec des roches. Là. Ouais, c'est ce qui est mieux. Là. Je peux tenir à faire ça. Puis après ça, mettre l'escabeau. Oui, bon, là j'ai bon. Je vais placer ça ici. Je sais pas s'ils vont fonctionner avec l'efficacité par contre ici, mais c'est pas nouveau, on va essayer. Ah non, ouais, c'est ça, ça marche. On a pas l'air, non, ouais. Efficiency 60, ah, 80. Il était. Pourquoi ils sont juste à 80, je sais pas. Hein. Ah, puis il peut avec. Ok, ok, c'est bon, c'est bon. Et lui. Juste à 80, on se comprend. Pourquoi ils sont pas à 100? Ok, ça devait être du soleil, vraiment. Ok. Alors là, je vais en avoir un score avec ça. Ok, c'est fini. Ah! Aïe, aïe, c'est fait mal ça. Là, faut que je descende ça en bas, ce power-là. Ouais, c'est ça. Ce qu'on pourrait faire, c'est aller. Je vais peut-être le faire passer à travers ça. Mm-hmm. Il y a encore des connecteurs, là. Heavy wire connector, oui. Ouais. Le connecteur va venir se plugger sur un des panneaux solaires. Il faut que je grimpe pour y aller encore un coup. Je vais pouvoir faire ceci. Il va falloir que j'ouvre ici. Pour pouvoir venir installer mon connecteur. Ah oui, là je peux. Ah, celle-là avec celle-là, ça a transféré. Ok. Et après ça, je vais prendre ça. Puis je vais venir me plugger dans lui. Ah ah. Le capaciteur, en principe, commence à accumuler. So, je suis pas sûr par contre que ça sert. Enfin, j'ai de travailler avec le wrench. Ça veut travailler avec le wrench. Je vais chercher le wrench, le hammer. Le engineer's hammer. Qu'il faut que je retrouve dans tout ça. Je commence à avoir tellement de gugus que je sais même plus qu'est-ce qui est quoi. Le engineer's hammer. Là, j'en ai essayé de cliquer avec mon affaire avec ça sur une machine parce que je pense qu'il est pas réglé comme il faut. Là, il est chaud pour les couleurs, il est bleu un peu. Ah, il accumule! Oh, ok! C'est vrai qu'il accumule? Il est bleu, ouais, c'est ça, il est bleu. Il accumule. Ah, elle commence à accumuler maintenant, là. Bon! Ok, là, il commence à y avoir plus de power dans la machine. Ah, c'est mieux. Là, je vais la couper parce que je vais commencer à la modifier. On va la grossir. Là, si tout va bien. Ok, elle est pleine, c'est pour ça qu'elle marche plus. Ouais. Ça, il va falloir que j'ai trois autres 5000 de même. Minimalement, on va faire au moins la partie
Gravel Sawdust. J'ai aussi récupéré du sable là-dedans. On va faire de la. On va récupérer donc ça pour me faire du soucien un peu plus. Ah ouais, vas-y, muge-toi, fais-moi ça. Fait que là, il faut que je fasse ça, ça va 2, 3. 3 autres, 5000? Ouais, c'est 3 autres. On va travailler ça. Je suis presque prêt à assembler ça. Voilà. 3 à 5 000. C'est pour ça qu'il est plus compliqué. C'est pour ça que ce qui est plus intéressant, c'est quand on va tout reconnecter ça ensemble pour que ça fasse que je pense que ça va faire. Là, j'aurais besoin aussi de quelques items comme ça. C'est pas le bon stock. Item conduit. 6, je sais pas si j'en aurais assez. Bon, on va dire que pour l'instant j'en ai assez. Je pourrais peut-être je pourrais commencer à en préparer pour. Ouais, c'est ça, c'est une bonne idée ça. Là, des perles. Ah, c'est ça, j'ai des perles ici. J'en ai en bas, j'en ai ici. Okay, j'en ai quand même plusieurs. Je vais préparer ça pour m'en faire plusieurs, items conduits. Je m'attends à être obligé d'en faire d'autres. Je vais venir les mettre là-dedans. Ah, je peux faire shift FT, tac tac. Voilà. On va faire les pulsating, machin que j'ai besoin pour ça. Donc tout ça là, c'est ça, en fait celle-là, je vais la laisser là. Je vais en empiler une deuxième par-dessus. Après ça, elle n'a pas fini. Hein. Mais j'ai décidé que tu as fini. Ouais. Ok, elle avance la gravelle de l'autre là-bas. Okay. Je vais enlever ça. Puis là, faut que j'arrête tout ça pour être capable de faire ce que je vais faire. Le sable et la gravelle, je vais venir le mettre dans les drawers là, ici. On est ça. Ah, je pourrais les récupérer ces drawers là. Oui, c'est vrai. Je vais les mettre ici parce que ça va être mon assemblage de patterns, ce qui va être là. Et c'est vrai, ça, oui, c'est une bonne idée, ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout démarcher ça. Je sais pas, ça fait là. Ah, ça, c'est le. Ok, il est resté l'énergie conduit, puis il reste l'item conduit. Ok. La deuxième 5000, on va mettre. Iiii, c'est rouge, c'est dangereux pour la bobette. Je vais aller mettre quelque chose pour les bébites. Avec les aigles. J'ai plus de torche. Ah, ici. Le marteau, il faudrait quasiment être déplacé. Ouais. On va enlever son sable parce que ça c'est trop long. On va faire tout déplacer. J'ai fait trop décalé pour rien. Je suis pas obligé de faire ça comme ça. Donc lui, as-tu fini? Oui, il a fini. C'est bon. Je vais l'enlever. Je vais venir placer le marteau ici. Donc ça c'est. Ah ouais, ça va être arrêté, ça. Voilà. Je peux aller ça, là. Et ça, c'est mon power. Tout mon power est là. Il va falloir que j'installe du power là-dessus. Lui, il y a des conduites. Celui, il y a des systèmes. Il va extraire. Il va falloir tout réviser, tout le système, là. Je sais pas comment c'est qu'il y a un bout de bois ici. Spruce wood, plank. Oh. Moi, je pense que je me suis fourré. J'ai pas mis la bonne patente. Il fait trop noir aussi. Mais. Voilà. Donc, il y a 2 5000 ici.
Ok, j'ai mes 3 Saguenay. Il va y avoir 2 autres Saguenay en haut. Puis une troisième ici. Il faut que je grimpe quelque chose pour être capable de placer ça. Voilà. Et il faudrait que j'upgrade ces trois bébés-là que je les mette en fer aussi. Alors, je vais en faire 2 autres, je vais upgrader bien en fer. Installer ça. Ça va être mes générateurs de cobblestone. J'en ai un par ligne de production maintenant. J'ai vu que Darewolf avait fait ça, qu'il avait besoin de faire ça. Fait que... Donc elle va pouvoir commencer ma nappe. Elle va pouvoir commencer, mais pour l'instant, non, j'aimerais mieux qu'elle. Je pars tout à neuf, par contre. Je pourrais les faire commencer. Ouais, je pourrais. Vas-y. Ok, elle va prendre son affaire. Elle va faire un pull. Partir de ça. C'est bon, on va chercher dans le cobble gem. Ah. Ça s'en va où après ça? Ah bon? Mais non, c'est ça là. Ça n'en fait pas tout le temps? Ah oui, ça l'est fait, c'est bon, c'est bon. J'ai la gravelle, c'est parfait ça. Je peux faire la même affaire sur lui. Et la même affaire sur lui. Ah, ils n'ont pas de power, je sais pas. Mais au moins, ils sont prêts. Il faut que j'en avoue de fabriquer des conduits d'énergie en faire plus. Juste, ah, je suis un conductive iron parce que pour ce job-là. Ça va pas bien, ça. Ok, ben, j'ai plus assez de power dans elle. J'ai plus de conduit pour pouvoir l'amener. C'est pas juste rouge. Qu'est-ce que je ferais bien pour arranger ça? Ah, surtout que je le déplace ailleurs. Elle, au moins, elle s'est refuelée. Je peux l'utiliser. Ah, tata, faut la résoudre à la programmer par contre. Elle est en fermée son lit. Ah, ouais, mon lit. Faire, restons. Voilà. Elle s'amuse, toi. Il faut que j'aie un autre conducteur à l'arrière. Bon, je l'ai eu. Energy Conduit. Je vais commencer à l'installer en bas. Je m'attends à ce que ça en prenne plus que ça, mais tu sais, au moins, je peux commencer à en mettre. Fait que ces deux-là, je vais les remettre en service. Voilà. Elles vont commencer à pouvoir alimenter. Je vais pouvoir commencer à brancher en arrière aussi. Donc, surtout celle-là, tu sais, qui commence à. Voilà. Tout le monde reçoit du courant. Ok, donc elle commence à fouler en gravelle. Elle aussi, c'est ça. Les trois reçoivent de la cobble, ils commencent à fabriquer avec la gravelle. C'est exactement ça que je veux qu'ils se produisent. Toute la magie va résider dans mon piping que je vais commencer à programmer en arrière. Ah, j'aurais pas besoin d'autres. J'aurais besoin de beaucoup d'items conduit pour travailler ça. Puis probablement des. Pas probablement. Puis des filtres. Ça, j'aurais besoin de filtres, je le sais. Celle-là! On va la mettre en in-out. Ah, c'est quoi ça? Ah, c'est l'énergie. Ok, elle a pas d'item conduit. Ok. Je peux commencer à feeder la première ligne ici. Donc, on va installer des item conduit là-dessus. On va commencer par celle-là, c'est la plus facile. Elle, il n'y a pas de doute. C'est insert avec mon filtre. Il faut que tu insères du sable. J'ai pas de sable sur moi, il faut que je vienne m'en chercher. Il y a bien
mes sous-tenants, je t'accompagne. Faut qu'elle insère du sable dans le marteau. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Il y a. Qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Okay, ça? Ok, ouais, ça, j'ai mal programmé. Okay. C'est le sable qui va là-dedans. Ça prend le marteau. Pas d'autre chose. Après ça, celle-là ici. Je vais mettre un deuxième filtre. Elle va être en insert. Le sable. Aussi le filet. Non, j'aurais pu inverser finalement. Ouais. En fait, non, elle, c'est un petit peu plus compliqué. Extract. In-out, en fait, c'est ça. Donc, l'in-out, l'insert, tu mets juste le filtre. Je mets juste le flint. Pas d'autre chose. J'accepte le sable et le flint. Comment j'ai fait ça? Ah, ça n'est pas bien fait. C'est pas le sable qui va là, c'est la dust. Ah, je sais plus je mets les. Ouais, ça marche pas. Récapitulons ça, là. Lui, il faut produire la dust, c'est ça. Donc, lui, ça il prend absolument du sable. Il peut juste insérer. Il peut pas. Ah, il va pouvoir extraire, c'est vrai, ouais, il va pouvoir extraire. In-out, insert, puis il va extraire ce qui produit, puis l'amener dans le système de joueur que je vais installer après. Bon. Lui, il reçoit la cobblestone, correct. Puis, il travaille ça en gravelle, donc lui devrait, normalement, recevoir de la gravelle, pas du sable. C'est la gravelle qui s'attend à avoir. Il faut que je me retrouve à cette heure dans mon drawer aussi. Que je vais déplacer bientôt parce que ça va être le target de la machine. Tu sais. Donc la deuxième machine ici. C'est pas le sable, c'est la gravelle que tu vas insérer. Puis les flints. En in-out. Tu vas extraire tout ce que tu produis. Donc tu vas accepter les flints, tu vas accepter la gravelle. C'est ça. Les autres sont indépendants, c'est ça. Là, j'ai plus. Ça va me prendre. Un, deux. Ça va me prendre genre. Combien de fils ça va me prendre pour ça, cette build-là? Là. Ça m'en prend quasiment un par machine. Et puis j'ai plus assez de fer pour le faire en plus de ça. Ça, on va arranger ça, là. On se fait du fer, là. Ok. Je peux-tu au moins me programmer quelque chose qui va marcher? Là, je peux-tu lui dire d'extraire inconditionnellement? Donc, ça? Oui, je pense que oui. C'est un extract, restons dans l'eau active. Elle va accepter. Ok, elle commence à accepter la gravelle. Elle réinjecte le flint. C'est excellent, c'est exactement ce que je veux qu'il se produise avec ça. Le sable, parce qu'il se ramasse dans mon marteau. Yeah! Il se ramasse dans mon marteau! Bien! Ça, c'est déjà pas pire. Il faudrait. Faut que j'aille chercher le chest transporter, que je déplace les drawers. Parce que ça, c'est trop. Ça prend trop de place. Celui-là. Je vais le coller ici. Celui-là. Je vais le mettre ici. Après ça, je vais prendre celui-là. Ça, c'est la gravelle. Qu'est-ce que ça a fait là? Ah, il m'a lâché! Ah non, je sais pas ce qu'il a fait. Il a droppé quelque chose. Ça, c'est mon sable. Ouais, c'est parfait, c'est ce que je voulais que ça fasse. Je vais prendre lui. Ça, bientôt, je vais m'en faire un diamètre qu'on sera plus. Ah, je suis limité dans. Ok, je peux pas sauter. Je peux pas sauter à cause de ça. Ben là. Ok, je vais utiliser une durabilité de ça. Ah, je peux pas pareil. Je vais venir le mettre ici.
Voilà, ça c'est mon meilleur output. Donc elle, ah, elle marche pas. Ok. Ok. Est-ce que tu qu'il y a un problème de priorité là-dessus? Il insère le sable. Je pense qu'il faut faire juste la priorité, ouais. Priority 1, c'est parce qu'elle, il faut absolument qu'elle ait le sable en sortie de celle-là. Non, elle a nul du sable, elle ne sort pas. In out. Insert. Extract, il faut que j'active le signal, ok. Et là, j'ai une première ligne de production qui est pas mal en place. Tout ce que je peux faire de plus, c'est. Elle a fait quoi? Elle extrait, c'est ça? Elle est en in-out. Ok, elle est en in-out. C'est normal, il faut qu'elle soit en in-out. Je vais venir placer les items conduit pour aller desservir mon réseau. Donc, je vais faire ça. 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 Elle est méchante à faire. Je vais faire ça ici. Extract, je mets ça en insert. Je mets ça en insert. 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 Donc, juste avec ça, il y a un système de vidéo qui va se mettre à parcourir. Il faudrait juste que je fasse un petit ajustement ici. L'insertion de la gravelle ici est prioritaire. Ça, c'est quelque chose que tu t'en mets là-dedans avant d'aller en mettre dans l'autre affaire là-bas. Ça peut être logique. Là. Elle va se remplir comme un machin, comme un in-out, extract, on les active, voilà. Yes, ça marche! Bon, là, il faut que je me fasse plus de fer, après ça, je vais pouvoir continuer ça. Bon. Alors, une partie du filage de fait, il me reste encore du taponnage à faire pour tout câbler ma machine, mais c'était un bon début. Pour le moment, ça va se terminer comme ça. À la prochaine.